Sinon, je fais gel. Et il s'amuse. Hop, et on va shield après. Kita Yodana, bam. Et moi, c'est gagné en fait. Let's go. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une vidéo de Grand Cross. On est en live. On est plus de 200, c'est juste insane. On vient de faire un petit 300 diam sur la bannière Re-Zero. Voilà, il me manquait des rames. J'ai Emilia SP6, il me manquait des rames. On a réussi. On a réussi à choper une autre rame. Et j'ai chopé aussi une autre M et une autre Emilia. Une Emilia sur le 300 et une REM au début. Du coup, on a échangé des doublons pour avoir RAM SP4. Vous pouvez dire bonjour YouTube. Vous êtes déjà en train. Et j'ai su monter en BO champion durant ce week-end. Parce que du coup, j'ai pas rangé un peu de temps. Donc, on va passer champion, je pense, avec cette team qui est, je pense, la meilleure team du jeu. Par contre, j'ai... Je sais pas si j'ai mes... Je sais pas si j'ai mes PV sur les deux ciels. C'est pas grave, je pense. Tout le monde spam. Je serais battu. Mais voilà, cette team est vraiment extrêmement solide. En guerre, je pense que c'est la meilleure. En sans stuff, en une guerre, c'est peut-être la Tarmir Starossa qui est incroyable. Du coup. Alors, il a pas. Donc, on peut pas rush build, c'est vrai. On va faire ça pour commencer, je pense. Ah, j'ai pas crit, dommage. Bon, il a pas Mirascula, donc si on tue. J'ai l'impression que le sort est un peu fort. Pour moi, il l'est un peu, je baisse un petit peu. Hop. Les baleineurs de Boris. Yo. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rush ulti de l'or, ok. On aurait pu mettre ça, ouais, pour l'empêcher de rush ulti. Quand on peut encore geler, stun, on peut faire des trucs. On va faire ça. Ah si, je suis obligé de faire ça. Ah non, je suis pas obligé. Je peux faire ça. Ça. Et ça. C'est comme Aleo. On va geler. Acto. On va stun Meliodas. Il a que des cartes de l'or en plus. Donc on a un drop, un gel, c'est lourd. Si on arrive à tuer Meliodas, on est bien. Il y aurait double taunt, ce serait plus relou. Moi, je veux être sûr de tuer Meliodas. Et au cas où, on va le geler. Je pense pas que Delors me tue. Par contre, Meliodas, si je le tue pas... Je pense qu'il meurt. Hein. Ouais, il meurt. Si je gèle Delors... Bon. Tant pis. Voilà, première victoire. Let's go. Mec, c'est grave amusé en face. À quand le niveau 90 de Boris? Je sais pas trop. Moi, je pensais que durant cette mise à jour, là, ils allaient mettre le boss déjà. Amener le boss pour faire qu'on commence à farmer. Ils l'ont pas fait. Ça m'a un peu étonné. Mais du coup, j'imagine qu'avec la mise à jour Sheldris, il manque encore. Oh, attendez. Oh, c'est le milieu de la vidéo. C'est pas grave. J'arrive. Alors, nous sommes allés chercher le petit skin d'Emilia avec la loterie, donc le skin gratuit. Il nous manquera plus que le petit puck et la petite tête. Et on sera, je pense, un bon 54 000.
54 000 dos, je pense, un truc comme ça. Donc c'est plutôt honnête, plutôt honnête. Donc on va dépasser les 277 000, sachant que ma RAM est en HPDF, Emilia elle est en HPDF, mais son stuff est loin d'être clean. Maline est en attaque dégâts crit avec deux rolls de vampirisme. Mais je crois qu'il en faut plus, mais bon, deux rolls c'est bien. Ah, mais dis donc. Mais qui voilà. Mais qui voilà. Mais ne serait-ce pas ce fameux combo. Attends, je vais mettre ça. Ça. Et on va geler. Voilà, geler elle. C'est comme allez. On va l'empêcher de rager les ultes. Acto. Sagare nasai. Acto. Bah alors, on voulait passer champion avec cette team. Pas aujourd'hui. Puisqu'il avait 3 sorts sur Emilia. Cette team s'appelle Smic. Par rapport à l'argent que tu mets dans le jeu pour là-bas. Ok. Ok, ok. On va faire ça. On va stun. Ah, j'ai trollé. J'y ai pensé en plus au début. Je pensais pas que j'allais la one shot. On a fait proc le revive au moins. Bon, on s'est fait geler, c'était du trolling. Je voulais garder mon stun en fait parce que je me suis dit qu'elle allait rush ulti avec sur Merlin. Mais j'aurais pas dû mettre là où Merlin, c'est du troll. Ok. On va faire ça. Moi je l'ai Elisabeth pour pas qu'elle stun et pas qu'elle shield. Et on récupère deux ultis. Sachant que j'ai encore le revive. On est bien. On est bien. Il peut avoir. Bon, il a merge des cartes, donc je pense qu'il a pas deux gels du coup. Il en a peut-être un. Peut-être un gel. Mais il en a pas deux, je pense. S'il en a pas deux, il y a au moins un ulti qui part. Sans shield. Solide. Je peux lire mon message, pardon, j'ai pas vu. Je regarde juste le play. Ok. Ok. Ah si, il a les deux. Ok. Il a les deux. Pas ça. Je remonte. Tu l'as mis où, ton message? Je vois pas. Je l'ai mis il y a longtemps. Ah oui, Bruce, je suis nouveau sur ta chaîne et sur le jeu, j'ai drop le numéro ligne, je joue la team Andy Gozer Ram, je dois les builds comment ces trois là. Andy j'aurais dit HPDF, Ram aussi, Gozer aussi en fait. Les trois. Ok. Ok, il a un gel. Il a un stun, pardon. Il a un deuxième stun? Non. Il n'a pas de deuxième stun. En vrai, je pense qu'on casse le shield avec ça. Ensuite, on va ulti. Ensuite, on va juste se débarrasser de ce sort-là. Je pense qu'on casse le shield.
Ok, let's go. Normalement, on tue deux personnes. Bah, Merlin va survivre, évidemment, mais... Oui. Les deux autres sont... Ça dégage. On descend un peu Merlin. On a toujours la revive, hein, je crois. Ou est-ce qu'on l'a perdu? Je crois qu'elle, qu'on l'a pas perdu. Il y a un moment, il y a un tour où il a droppé deux gels, du coup il a failli voler la game. Mais il a pas chopé d'ult sur ce tour-là, sinon ça aurait peut-être été compliqué. Bon, il ulti sur mon shield, donc il peut pas crit. Qui ne tue pas Emilia. C'était close. C'était close. On avait win, je pense. Mais c'était close. Beau match. Beau match. On est passé champion. C'était close. Isabelle était dans toute l'équipe. Ah bah, bien sûr. Mais on est passé champion là-dessus. Let's go. Ça va rien changer au game. Peut-être tomber sur des mecs encore plus nasses qu'avant, mais... On n'est pas ces gens. Le logo est plus joli. Tu as fait une faute de frappe dans qui tu as écrit beau au lieu de go. Mais non, c'est pas une faute de frappe, c'est pour dire BO parce que pour le best-of. Parce qu'on était en best-of 3 pour le passage. Oh, solide équipe ça. Sariel, Diane et tout. Le problème c'est que Emilia counter salement Diane. Un peu pas de chance pour lui pour le coup. On va faire ça. Ok. Kawaii, ouais. Même si ça critait pas, il était stun. Ah bah il est stun. Je pensais que j'allais le tuer. Il a un HP. Le problème c'est que j'ai déjà win la game en fait. Parce que je joue en premier déjà. Je peux facilement enlever son taunt avec un gel. Malheureusement. Ça va être compliqué. En plus, mais si jamais il joue la grâce de Taramiel, moi j'ai le debuff de Merlin pour m'en débarrasser. On va faire ça, ça. Et on va mettre là où. Kurewa Doda. Kurewa. Boum. Boum. Sakomane yo. Cette team est tellement forte en vrai. Les 15 sub the one. Ok. Ok, 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 ok. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Si je gèle. Attends. Si je fais ça, puis que je gèle. Que je fais ça, ça, attends. Sinon, je fais gel. Et gel. Et il s'amuse. Attendez, mais il s'amuse de fou là. Attendez, attendez, mais je crois que là il passe un bon moment là. Je crois que là il s'amuse. Au calme. Pour la team The One et Elisabeth Gozer, tu mets quel stuff? The One attaque des Gakrit, Elisabeth HPDF, Gozer HPDF. Hop, et ben c'est une ulti qui part. Hop, et on va shield après. Kita Yodana, bam! Et moi c'est gagné en fait! Let's go! Mais ouais, récemment du coup j'avais proposé une petite FAQ, il y a pas mal de gens qui ont répondu, notamment sur le Discord, pas mal de questions. Ouais, des discours qui sont un peu partis en couille aussi, durant cette petite FAQ, mais je vais la sortir d'ici début de la semaine, je pense. Je vais la tourner, peut-être pas ce soir ou demain, je sais pas.
Peut-être demain, je pense. Peut-être demain. Je vais voir déjà peut-être présélectionner les questions. Puis attendre ça demain, je pense. Oh! King bleu! Ah ouais, mon frérot! King bleu! Et bah, très bien. Très bien, très bien, King bleu. King bleu, c'est très squishy. Attends. On va faire ça. On va mettre ça. Et on va chier. Ok, il joue dodge. Il jouait dodge, très bien. Il peut rush unit normalement. Mais on a du CC, on a deux gels, ça fait plaisir. Il va rush ulti Elisabeth. Rush ulti Elisabeth, très bien. On va devoir double gel. Au pire, on peut faire sinon. On va faire ça. Dommage. Tellement squishy, King, c'est chaud. En vrai, c'est pas si grave, l'ulti Elisabeth, parce qu'on peut les enlever avec les gels. En vrai, c'est pas très grave. Je pense quoi de Ram? Ma waifu. Ouais, c'est mon... Je trouve que c'est celle qui est le plus pipou dans... Dans ReZero. Avec la team Kalatine, je suis monté dans le top 20 challenger. Le crack. Le crack. Ok. Il a pas eu. Il a pas eu. Ok, il a pas eu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va geler. Geler. Et se débarrasser de ça, je pense. Bah alors, bro. Bon, là, si Swain tue deux fois, soit ça va être chaud pour lui. Soit ça risque d'être chaud, là. J'ai encore des gels, en plus. Ça peut... Il tente, hein. Sachant qu'il va pas pouvoir mettre le troisième coup, hein. Il va se faire geler au deuxième. Revive. Même pas. Il est gelé. Il va même pas revive, du coup. Du coup, on va faire ça. On va s'assurer qu'Elisabeth est morte. Et en vrai, je pense que c'est mieux de heal tout le monde que de stun. Acto! Boum! Kawaii, wa. Bon, à moi qui one shot, sachant qu'il a plus trop dit sur sa Merline, j'y crois assez peu. La meuf la plus pipou, c'est Félix. Ah, Félix Nyan Nyan. C'est Félix, d'ailleurs. Félix le chat. Tu l'as aise. Eh, je l'ai dabé. On peut encore rejoindre le Discord, bien sûr, il est dans la description. Une bonne team avec Rem, bien sûr. Diane, Poseur Rouge et Ramanson. Ou quelqu'un de transphobe, hein. Pas obligé, mais... Bro, non. 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 Ah, il m'a mis tarif, hein. Mais non. Mais non. Calme-toi. Ah, il a protégé son Zoan. Oh, il a l'ulti, oh le bâtard. On va choper l'ulti Merlin, du coup. Attends. Merde, j'ai lancé Spotify, c'est pas ce que je voulais faire. On va faire ça. Ça. Et ça. Acto. Non.
Il aurait pas eu le shield, j'aurais pu mettre ça. Et après stun. On y va le shield. On a droppé en mono cible. On est bien. On va mettre ça au cas où. J'aurais pu shield aussi. De toute façon, il peut pas tuer Merlin. Merlin SP2, hein. J'aurais pu triple gel. Mais j'aurais pu toujours être plus cancer. Ah, mais Merlin, quel crack. Encore une petite dernière. On va s'arrêter là sur la vidéo YouTube après. Quel team fumé. Quel team fumé. Ah, je vais essayer de monter genre assez haut. J'ai envie de dire Road to Challenger, je sais pas si c'est faisable. Peut-être. Je sais pas si j'ai manqué de CC à un moment, je sais pas. Peut-être changer de foot, de bouffe, je sais pas trop. Les skins c'est assez important, ça va opter dégâts, la défense et HP. Ouais. Parce que 5 skins x 3, 5 têtes, 5 corps, 5 armes, exactement. Entre Miraskula rouge et Starossa vert, Zeldris rouge. Miraskula ou Starossa. Miraskula. Ouh, Miraskula pour la tour. Et Starossa sinon pour le PVE. Et ce qui est tout le temps bien. D'un champ de l'arc à sortir. Très solide. Alors, c'est une compo double taunt. C'est chiant. Starossa, c'est chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. On va se débarrasser de ça. Oh Yasumi! Comme ça, je l'empêche de rush ult. Ah, il joue le commandement. Ah, il joue le commandement des Starossa. J'avais pas vu, merde. Du coup, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû taper. Après, mon ulti fait quand même mal, mais il fait moins. Si je peux tempo jusqu'au moment où il fera full dégâts, ce sera mieux. Moi, j'empêche mes Yodas de rush ult. Il aurait dû commencer par le mono-cible. Ah mais non, mais de toute façon, il n'y a pas le commandement de drôle. Bah, du coup, il s'est gelé lui-même. Ok. Ok, ok. Mais du coup, il a pas perdu l'ult. Ah mais du coup, je suis plus debuff, en fait. Je me suis sa machine moi-même, en fait. Du coup, je suis plus debuff. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Il m'a enlevé les debuffs en fait en me tapant deux fois. C'est ma cleanse. Bah merci frérot en fait. Bah hésite pas à repasser du coup. N'hésite surtout pas. Ah il a pas très bien joué. Ah c'est mais il a pas très bien joué. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Non mais bah solide du coup on a win. Bah écoute solide le HP def Emilia couche tu quand même tout le monde. Solide. En attaque def j'aurais vraiment tué tout le monde mais c'est très pas resté un HP mais bon ça change pas grand chose, y'a pas besoin. J'ai tanké plus. Il aurait dû. En vrai commandement de l'or il aurait été plus chiant je pense. Ouais, je sais pas, mais je pense que ça aurait été pour lui. Bref. Dans tous les cas, comment j'étais clean, c'est le passif de Emilia. Quand elle se prend deux coups, elle gèle le mec qui te tape. Et elle clean, donc elle enlève tous les malus des alliés. Et gèle l'adversaire pendant deux tours. Alors, en fait, vu que c'est pendant le tour des ennemis, en fait, elle le gèle pendant un tour, mais c'est déjà bien. En gros, c'est pendant. Ça commence sur le tour des ennemis, il est encore gelé pendant ton tour, il est encore gelé pendant le tour ennemi, et au début du tour d'après, il sera plus gelé. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. On est 2700. Non, pardon, 3700. On est Rodo 4000. Rodo 4000. Et puis moi, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ah oui. Ciao.